c'était au départ vraiment des rencontres entre musiciens qui ne se connaissaient pas, qui a commencé avec l'arrivée en Suisse de Anouar, puceau algérien, marocain, qui cherchait un peu à faire ses projets en Suisse. Le Gnawa, on pourrait dire que c'est transnational au Maghreb, mais au même titre que le Raï. On utilise les carcabous dans quelques morceaux parce que c'est cool, parce qu'on adore ça. J'avais vu un post il n'y a pas longtemps d'un artiste que j'aime beaucoup qui disait le raï marocain c'est comme le couscous algérien. Alors voilà, à bon entendeur. Hein. Au musical, il cherchait un peu des sonorités un peu plus rock au départ, de ce qu'il connaissait, il voulait mélanger un peu avec sa tradition. Il y a aussi bien sûr la composante, on pourrait dire, musique actuelle ou rock, voire même pop dans certains morceaux. Et puis là, comme on est complètement en création, en fait, on a fait un premier EP qui était plutôt fuzz même. C'était le... C'était le maître mot. Ouais, c'était le maître mot, exactement. Dans un morceau qui veut dire « ouvrir la porte », qui parle des frontières entre le Maroc et l'Algérie, tout ce lourd héritage post-colonial au niveau des frontières et de la définition des identités nationales dans des cases très catégoriques, comme ça, et nous on essaie un peu de faire exploser ça.